Salut à tous, c'est Caroline pour la chaîne des box. Je vous retrouve pour vous présenter la box Évidence de Noël du mois de décembre. Voilà comment se présente la box. À l'ouverture, je découvre du papier de soie noir avec un petit sticker. Et nous avons la carte postale hein, identique à la box, avec au dos le contenu de ce qui se trouve dans la box. Je commence avec ce produit, il s'agit d'un sérum. J'adore ça, les sérums, j'en mets matin et soir. C'est de la marque Madara. Il s'agit d'un sérum qui va venir hydrater en profondeur et réparer l'épiderme. Donc ça, je pense qu'on aime beaucoup. C'est pour tout type de peau. Visiblement, et c'est scientifiquement prouvé, ça va venir en fait recharger l'eau qu'on a dans notre corps et qu'on a besoin, tout simplement. Ensuite, pour venir compléter notre rituel beauté, on nous a mis de la marque La Farm 1789, je connais, j'aime beaucoup. C'est un soin aussi bien pour le corps que pour le visage. À l'intérieur, on a de la menthe, du thym, du karité, camomille. En plus, leur paquet est toujours très sympa. On nous dit que c'est sans parabènes, sans silice, sans gluten, sans sulfate, sans OGM. Ça va donc venir nourrir notre peau. Et je pense que le combo des deux avec le petit sérum juste avant, ça peut faire de chouettes résultats. Je trouve ce baume à lèvres très original de la marque Yoro. Il y a plusieurs goûts. Apparemment, moi j'ai eu goût thé vert, assez original. Oh, ça sent le chewing-gum. Au début, ça sent le chewing-gum et ensuite, on doit avoir le thé vert. J'aime bien. Très agréable. Donc, on vient le glisser dans son sac. Très pratique. Un mascara de la marque Zao. C'est une marque que j'ai déjà reçue, notamment pour des vernis, me semble. On est d'accord, le côté bois est très original. Il est noir et il est surtout hypoallergénique pour les yeux sensibles. Hein, ça, c'est en premier. Ce qui n'empêche que, d'ailleurs, je l'ai appliqué, ça vient vraiment bien définir les cils tout le long et ça écarte aussi le cil à cils. Moi, j'aime pas quand ça fait des gros paquets. Donc, très, très bien ce mascara noir. Et enfin, on nous a mis un sachet de pâte de fruits. Ceux-ci sont goût orange et ananas. Et ça provient de Saint-Malo. On nous dit que c'est issu de l'agriculture biologique. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de cette box. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et vous dis à bientôt pour de nouvelles boxes. Salut!